Mesdames, Messieurs, bienvenue à cette nouvelle tranche économique qui clôture le mois de janvier 2022. Comme d'habitude, vous aurez droit à toutes les rubriques, je cite, les chiffres clés qui nous parleront des recettes mobilisées par les régies financières à fin janvier 2022. Le dossier nous donnera des précisions sur les quelques résolutions des états généraux, de la communication et des médias. Par après, vous aurez droit pour le compte de la chronique avec une nouvelle thématique qui revient avec la mobilisation des recettes en 2022. La DGRAT devra atteindre 2935 milliards de francs congolais. Mais avant, prenons les nouvelles en bref. Tout de suite. Du jour, le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, a présidé une réunion officielle les samedis 29 janvier 2022 pour saluer avec fierté au nom du gouvernement du Premier ministre Sam Alukonde l'amélioration de la notation de la RDC par l'agence SP pour avoir franchi les grades hautement spéculatifs CCC+ pour B-. En effet, l'agence de notation SP a réussi en date du 28 janvier 2022 la note de la République démocratique du Congo de CCC+, perceptif positif, à B-, perceptif stable. D'autres informations, les réserves de change de la République démocratique du Congo sont évaluées à 3,5 milliards de dollars américains à l'échéance du 27 janvier 2022. Cette somme correspondant à plus de 3 mois d'importation de biens et services sur ressources propres a déclaré les vice-gouverneurs de la Banque centrale du Congo qui a pris part à la 38e réunion du Conseil des ministres du 28 janvier 2022. Nouvelle en bref encore, cette fois-ci, les recettes mobilisées par le régime financière de la République démocratique du Congo au mois de janvier 2022 sont évaluées à plus de 9 milliards de francs congolais, soit plus de 458 millions de dollars américains, contre le prévision linéaire de 922,6 milliards de francs congolais. D'après le ministre des Finances, Nicolas Kazadi, qui a fait part à la situation de la trésorerie, au Conseil des ministres du vendredi 28 janvier 2022, ces recettes ont enregistré un accroissement de 50% par rapport à celles réalisées au cours de la même période de l'année dernière. Et pour finir, le lampion s'est éteint le samedi 29 janvier 2022 sous les états généraux de la communication et médias. Clôturé par le chef de l'État congolais, Félix-Antoine Tshisekedi, ces assises ont permis aux 220 participants de formuler une série de recommandations dont certains devront faire l'objet de projets de loi de finances sous la vigilance du ministre de la communication et médias. Dans son mot de clôture, le ministre de la communication et médias, Patrick Muyaya Katembwe, s'est engagé sous la voie de la salubrité du paysage médiatique. Comme vous l'avez remarqué, l'économie de la RDC évolue tous les jours. Juste après les nouvelles en bref, nous allons prendre les chiffres clés qui nous parlent bien sûr des recettes mobilisées par les régies financières à fin janvier 2022. Suivez, c'est tout de suite. Les chiffres clés du jour, c'est avec vous, Benita Mouini, bienvenue. Merci, Unamaka. Voilà, aujourd'hui, vous nous parlez des recettes mobilisées par les régies financières à fin janvier 2022, mais nous aimerions déjà savoir qu'est-ce qui s'observe sur le marché de change. Alors, pour ce qui est du cours de change, nous allons débuter avec le taux officiel, qui est celui de la Banque centrale du Congo, où un dollar est fixé à 1999 francs congolais, un franc CFA à 3,40 centimes et un euro à 2231 francs congolais. Pour ce qui est du marché parallèle, là, nous sommes à Willeri, où un dollar s'échange à 2000 francs, un franc CFA à 3,49 centimes et un euro à 2342 francs congolais. Voilà, comme nous l'avons dit au départ, nous parlons des recettes mobilisées par les régies financières. À combien se sont évaluées les recettes mobilisées par les régies financières à fin janvier 2022? Les recettes mobilisées par les régies financières de la République démocratique du Congo au mois de janvier 2022 sont évaluées à 917,1 millions de francs congolais, soit plus de 458 millions de dollars américains contre les prévisions linéaires de 922,6 milliards de francs congolais. Les recettes mobilisées à ces jours sont en augmentation de 50%, soit 306,7 milliards de francs congolais supplémentaires par rapport à celles réalisées en janvier 2021 qui étaient de 61,4 milliards de francs congolais. Merci à vous pour ces précisions. Et pour finir, que dire de la contribution à ces performances réalisées par les régies financières? Ces performances réalisées par les régies financières sont consécutives à la mise en œuvre de mesures éditées par le gouvernement écoulé dans le contrat de performance qu'il a signé avec les régies financières le 16 janvier 2022.
en croire l'argentier national. L'objectif reste l'atteinte des prévisions de recettes budgétaires arrêtées à 14 755,9 milliards de francs congolais, soit plus de 7 milliards de francs congolais au cours de l'année 2021. Le taux de réalisation de ces recettes assignées aux régies financières est de 99,4%. Cette performance confirme donc la tendance haussière de recettes amorcée depuis mai 2021. Voilà, merci à vous Benita Mouini pour toutes ces précisions et nous espérons vous retrouver très prochainement. Merci Unamaka. Que doit-on retenir sur les quelques résolutions des États généraux de la communication et des médias? Guy Chungu revient cette fois-ci avec ce dossier pour nous donner plus de détails. Suivez. Guy Chungu, aujourd'hui vous êtes à la présentation du dossier, bienvenue. Merci. Voilà, on parle de quelques résolutions des États généraux de la communication et des médias. Et elle s'est clôturée samedi et les résolutions sont déjà connues. Combien au total? Alors, je dis tout dans ma case, j'aimerais qu'on puisse rappeler un tout petit peu les choses. Il y a eu pratiquement 5 jours au total où ces différents chevaliers de la presse se sont réunis pour réfléchir autour de ce qu'on appelle le mot qui gangrène les médias. Et aujourd'hui, grâce à ces forums organisés par le ministre de la Communication et Média, Patrick Muyaya, forum d'ailleurs qui a connu la satisfaction de plus d'un journaliste, on doit le dire que ces résolutions ont touché le nœud du problème. On en compte principalement 80. Ah ben oui, vous allez dire, autant de résolutions. Ah ben oui, il faut le dire, puisque le mal était tellement profond, il fallait autant de résolutions pour résoudre le problème. Ici, et aujourd'hui, à Zoom Echo, nous avons sélectionné quelques-unes qui ont attiré notre intellect. Il s'agit ici des 10 au total. J'aimerais commencer déjà par cette première résolution. Faire respecter scrupuleusement les conditions de création d'une entreprise contenues dans la loi générale sur la presse en vue de leur stricte application. Première résolution, je pense que c'est assez clair et c'est assez lisible. Renforcer les prérogatives du CESAC en régularisant ou régulariser ses frais de fonctionnement. Il est tout à fait important que nous puissions, le gouvernement congolais, pas nous, le gouvernement congolais puisse donner de moyens et le bon moyen qu'il faut au CESAC pour être en mesure de faire son travail, puisque ça a été dit ici qu'il fallait qu'une structure soit mise d'application avec une rigueur pour mieux suivre le journaliste. Et cette structure, j'ose croire, que ça a été également dit à haute voix pendant ces assises, c'est le CESAC. Or, le CESAC souffre d'un problème de financement. Ainsi, nous avons repêché pour vous et ceux qui nous suivent cette résolution majeure et importante qui parle de ces frais de fonctionnement qui doivent être revus à la hausse. Autre résolution, ajoutée aux critères de fiabilité exigés par le Conseil supérieur de l'audiovisuel et de la communication CESAC, la preuve à fournir par les candidats entrepreneurs de presse d'un fonds de roulement d'au moins 2 ans de portée. Un autre point, engager le CESAC à réévaluer le respect des conditions d'exercice de la liberté de la presse. Autre chose, il doit être dit assez clairement, il faudrait que le gouvernement congolais allège substantiellement le régime fiscal, douanière et parafiscal aux entreprises de presse. C'est important, il faudrait que ces entreprises de presse aient quand même un peu de souffle pour se relancer. Un autre point, il faudrait que le gouvernement congolais applique des allègements fiscaux et parafiscaux sur les intrants spécifiques aux médias. On peut citer comme ça les plaques, les encres, les ordinateurs et les caméras, et que sais-je encore. On va citer aussi cette recommandation importante. Il faudrait que le gouvernement initie la révision de l'arrêté interministériel numéro 002 et numéro 136 du 17 novembre 2019 portant fixation de taux, taxes à percevoir à l'initiative du ministère de la Communication et Médias. Il faudrait que le gouvernement supprime la taxe sur le droit de diffusion de la publicité. On parle de 5% à payer au ministère des Communications et Médias. Ah, les journalistes ont constaté que c'était lourd et ça ne leur permettait pas d'émerger et ça a été pris comme une des recommandations principales. Autre chose, il faudrait que le gouvernement supprime la redevance de la conformité due à l'Agence nationale de renseignement ANR.
Et notre dernière résolution, puisque je l'ai dit tout à l'heure qu'il y en avait 10 qui ont été sélectionnés par nous, il faudrait demander à l'État d'allouer régulièrement des subsides publics. Voilà, je dis tout Namaka, les 10 résolutions sélectionnées sur le 80 retenues après ces assises. Vous avez compris que le gouvernement a quand même donné de l'importance à entendre ces journalistes et chevaliers de la plume. Et grâce au ministre de la Communication Média qui est très ouvert, vous avez compris que les journalistes sont exprimés. Et aujourd'hui, on a un abécédaire. Mais le grand problème qui reste, c'est de voir entrer en application toutes ces résolutions, puisque on doit le dire, au moins 80% des résolutions prises dans les différents pays ne sont toujours pas d'application. Et nous prions que ce ne soit pas le cas pour la République démocratique du Congo, surtout en ce qui concerne les médias. Et donc, pour finir, je m'en vais déjà préciser que le gouvernement a également et encore la tâche de mettre en musique toutes ces résolutions pour que ce grand travail ne soit pas un vain mot. Voilà, merci à vous Guy Chungu pour ces précisions. Une dernière question avant de se séparer. Vous faites foi en ces résolutions, vous, en tant que journaliste? Au début, c'était un peu difficile avec cette confusion qui régnait autour de la représentativité. Certaines personnes criaient haut et fort que c'était beaucoup plus très sélectif, mais avec le temps, on a compris que la porte était ouverte à tout le monde. Ah ben oui, je fais foi, puisqu'on a d'abord à la tête quelqu'un qui a le souci de vouloir changer la presse en République démocratique du Congo. Patrick Mouyaya est d'abord ancien journaliste. Il maîtrise bien le problème du secteur. Il a la volonté de vouloir apporter du nouveau. Si vous remarquez son parcours avec son mandat qu'il aura sûrement à présenter à la presse, vous comprendrez que beaucoup de ce ministre de la communication média n'ont pas su faire ce qu'il a fait. Il est dans un mode de gestion de proximité avec les chevaliers de la plume. Hier, nous étions un peu de l'autre côté de la plaque. Il fallait trouver des mécanismes pour participer à la chose. Aujourd'hui, on a plutôt quelqu'un qui implique. Voyez un peu ces changements de narratif qui demandent à ce que tout le jour, ou presque souvent, qu'il y ait ce point de vue ou ce point de presse qui réunit les journalistes autour des questions majeures. Il vous met directement en contact avec l'information. Ça rentre même dans la logique de la loi qui doit mettre ou permettre aux journalistes l'accès à l'information publique. Donc, déjà avec une personne qui comprend mieux le souci, j'ose croire que ces résolutions ne seront pas un vain mot, comme je l'ai dit, ça sera plutôt un abécédaire qui apportera beaucoup plus ce que 1995 n'a pas su apporter à la presse. Merci à vous, Guy Chungu, pour ce dossier. À demain pour un autre numéro. Merci. Une nouvelle qui fait ressortir une analyse, Patrick Bomboka nous en fait une description claire. Il s'agit bien sûr de la mobilisation des recettes en 2022. La DGRAD devra atteindre 2 935 milliards de francs congolais. Tout de suite, la chronique. Bonjour. La Direction générale des recettes administratives, domaniales et de participation est face à un nouveau challenge cette année 2022. Eh bien, cette régie financière de la République démocratique du Congo devra mobiliser 2 935 milliards de francs congolais, soit une augmentation de 33% par rapport aux recettes réalisées en 2021. D'après le ministre congolais des Finances, Nicolas Kazadi, cet accroissement des prévisions budgétaires démontre qu'il y a encore un espace à saisir pour amener la République démocratique du Congo au moins à la moyenne des pays d'Afrique centrale en atteignant entre 17 et 20% de produits intérieurs bruts en termes de recettes fiscales. Il était donc face au directeur de la DGRAD qui se retrouve en conférence à Kinshasa en train de peaufiner les stratégies pour atteindre les objectifs assignés conformément au contrat de performance signé avec le ministère des Finances. La dématérialisation des procédures, le civisme fiscal et la valorisation du capital humain gagent de la mobilisation accrue des recettes, tel est d'ailleurs le thème évocateur de cette conférence qui mobilise les directeurs de la DGRAD. D'ores et déjà, au mois de janvier 2022, les services du ministère des Finances renseignent que la DGRAD a pu dépasser ses assignations mensuelles en atteignant 120% de réalisation. Le ton est donc donné pour une nouvelle année des challenges de près d'1,5 milliard de dollars américains à mobiliser par la DGRAD. Merci de nous avoir suivis.
Le marché du jour nous ramène les prix des matelas selon leurs dimensions. Découvrons-le tout de suite dans Zoom Wendy. Mesdames et messieurs, bienvenue. Le marché du jour vous ramène le prix des différentes sortes de matelas qu'on retrouve à Kinshasa selon leurs dimensions et leur épaisseur. Sans plus attendre, découvrons ensemble le prix dans Zoom Wendy. Le marché d'aujourd'hui commence par vous donner les prix des différentes sortes de matelas selon leur largeur et épaisseur. Dimension 90 x 10, on peut en trouver à 68 000 francs et à 82 900 francs congolais. 90 x 12 à 77 000 francs et aussi à 94 000 francs congolais. 120 x 15 à 124 500, on peut aussi en trouver à 147 000 francs congolais. 120 x 18 à 134 400 et aussi à 172 000 francs congolais. 120 x 20 revient à 199 500, on peut aussi en trouver à 188 000. 140 x 15 à 136 000 francs et à 170 000 francs congolais. 140 x 18 revient à 168 000 francs congolais, on peut aussi en trouver à 200 000 francs. Et 140 x 20, on peut en trouver à 187 000 francs, voire même 220 000 francs congolais. 180 x 20 à 277 000 francs. 180 x 25 coûte 348 000 francs congolais. Vous pouvez aussi trouver de matelas mousse à un prix abordable où 90 x 3 coûte 12 800 francs congolais, 90 x 5 à 21 000 francs, 90 x 8 à 34 600 francs congolais, 90 x 10 à 43 000 francs, 90 x 12 à 51 300 francs, 90 x 15 coûte 63 800 francs, 120 x 3 revient à 18 000 francs congolais, 120 x 5 revient à 28 400 francs, 120 x 8 coûte 45 700 francs congolais, 120 x 10 revient à 52 300 francs. 120 x 12 coûte 68 400 francs congolais. 120 x 20 revient à 112 000 francs. 140 x 18 coûte 124 000 francs congolais. Et 140 x 20 revient à 188 000 francs congolais. Merci de nous avoir suivis. Retrouvons-nous prochainement. Les rendez-vous économiques, c'est dans l'agenda sur Zoom Eco Live. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Zoom Eco Live, la référence de l'actualité économique en RDC. Il est temps pour vous de noter les différents rendez-vous économiques, plus précisément les rendez-vous du 31 janvier 2022. Découvrons-les tout de suite dans l'agenda. Bienvenue à l'agenda. Nous commençons aujourd'hui par vous signaler qu'une grande exposition des entreprises se tiendra à Kinshasa Limité, précisément à l'Université catholique de Kinshasa, le 4 février prochain, de 8h à 18h. Autre rendez-vous, il s'agit cette fois-ci d'une formation sur l'entrepreneuriat qui va commencer le 8 février 2022 pour se clôturer le 11 février de 15h à 17h à Kinshasa et sera axée sur « Prenez votre avenir en main ». Elle ne sera pas gratuite car le frais des participations est fixé à 20$ sans oublier 5000 francs comme frais d'inscription. Et pour finir, avocat.cd prépare une formation sur « Comment monétiser votre contenu juridique en 2022 ». Ça se tiendra à Kinshasa le 23 février prochain, de 16h à 18h. Merci de nous avoir suivis. Au revoir. Article 15, la voix des sans-voix revient cette fois-ci avec un nouveau numéro. Il s'agit bien sûr d'un vendeur qui nous raconte l'expérience de son activité, mais également les difficultés auxquelles il rencontre dans l'exercice de son métier. Tout de suite, la débrouillardise. Débrouillard à jamais, jamais, jamais. Débrouillard à jamais, jamais, jamais. Débrouillard à jamais. Pantais, c'est ça quoi, va coucher à ma bébé. N'a-t-il un moment 200 francs. N'a-t-il un rabat brosseur?
naba petsoda o ba diver ka mo biloko a mike mike o na nzela biloko na ngai o yango nde na bika kana. Bani musala o mbula mobimbaka. Ne bande tozalaki oganye mwa mokie po tozwa moya kolia. Me mikolo eloko te po biloko ezomata kaka moya toteka tozwa benefisi eza te. Moya pe totangisa bana eza te. Ndenge oteki lelo boye ntango okesomba lobi okuti emati. La difficulté de l'hôpital en Angola. Il est le plus cher. Pour bana batanga et simba, c'est juste un coup de diplôme. Pour bac et université, c'est bon au monde à la tête. Pour biloko chaque fois, on m'attaque. Mais ça, non, c'est là. Oh, ça, la moté maman, à souligner la bactérie à ta fond. Baba bunda na kande bisoto zo bunda na bo babi makana nzela ba bunda na zamba kotunga ka mboka na bisi. Voilà, c'est la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis. À demain pour d'autres informations économiques sur Zoom Eco Live. Au revoir.